accélérer vers l'illumination. L'initiative d'éveil de masse accélérée de la Fédération Galactique. L'ascension spirituelle désigne le processus d'élévation de la conscience et de la fréquence vibratoire d'une personne afin de se connecter à des domaines d'existence plus élevés. Elle est associée à l'approfondissement de la compréhension de la nature de la réalité tout en transcendant l'ego et la dualité. L'ascension est facilitée par des activations au sein de notre ADN. Notre ADN contient de nombreuses sections dormantes, parfois appelées ADN poubelles. Ces sections contiennent des codes starseeds et des gènes spirituels qui sont activés par des changements d'énergie et une lumière de fréquence plus élevée. Lorsque l'énergie cosmique bombarde la planète, nos cellules vibrent plus rapidement. Nos corps doivent s'adapter pour gérer ces fréquences plus élevées. Les mises à jour de notre ADN permettent à nos vaisseaux physiques d'évoluer afin d'incarner plus de lumière. Les codes ADN sont systématiquement activés pour augmenter l'intuition, les capacités psychiques et la conscience. Cela élargit notre perception multidimensionnelle et notre plan spirituel. L'ADN amélioré nous permet de canaliser des fréquences dimensionnelles plus élevées pour propulser notre évolution consciente. Les symptômes de l'ascension dus à l'activation de l'ADN peuvent se manifester par des niveaux d'énergie accrus, des rêves vifs et perspicaces, une clarté mentale, une vitalité accrue, une digestion améliorée et des capacités de manifestation accélérées. Ces expériences signifient un changement positif dans la composition moléculaire, alignant le moi physique avec les facettes élevées de l'être. Incarner plus de lumière nous permet d'augmenter notre quotient de lumière et, par conséquent, d'élever la conscience collective. Plus nous sommes nombreux à nous éveiller, plus l'évolution spirituelle de l'humanité prend de l'ampleur. La Fédération Galactique aide les travailleurs de la lumière à accélérer cet éveil de masse. Préparation au premier contact. Comment l'humanité peut-elle se préparer à un contact ouvert avec la Fédération Galactique ? Il y a plusieurs étapes importantes que nous pouvons franchir. Abandonner la peur. Pour de nombreuses personnes, l'idée d'interagir avec des êtres extraterrestres provoque de la peur et de l'anxiété. Nous sommes tellement habitués à considérer les extraterrestres comme des envahisseurs hostiles dans la fiction qu'un contact pacifique semble improbable. Cependant, la plupart des éléments indiquent que la Fédération a à cœur les intérêts de l'humanité. Nous devons nous débarrasser de nos peurs ancestrales et nous ouvrir à un contact amical. La méditation, la pleine conscience et les pratiques spirituelles peuvent nous aider à passer de la peur à un état d'acceptation pacifique. Diffuser des informations exactes. Il y a beaucoup de fausses rumeurs et de spéculations sur la Fédération en ligne. Nous devons partager des informations factuelles et fiables afin de dissiper les idées fausses. Cela permettra de préparer la société et d'éviter la panique lors d'un contact ouvert. Plus l'humanité comprendra qui est la Fédération et quelles sont ses intentions, plus le premier contact se fera en douceur. Devenir des ambassadeurs. Une fois le contact établi, certains individus entreront directement en contact avec les représentants de la Fédération Galactique. Il est important que nous mettions en avant nos meilleures qualités humaines, la compassion, l'intelligence, la créativité et la curiosité. Nous devrions choisir des ambassadeurs qui incarnent l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, afin de donner
la meilleure impression possible. Une préparation et une éducation adéquates permettront à nos ambassadeurs d'être prêts à assumer cette profonde responsabilité. Élever notre fréquence vibratoire. Le contact exige que l'humanité élève sa conscience et sa fréquence vibratoire pour s'aligner plus étroitement sur la Fédération. Nous pouvons y parvenir par des pratiques spirituelles, la méditation, un mode de vie sain et l'élimination de la négativité. Au fur et à mesure que les individus s'éveillent, notre conscience collective s'élève également à une vibration plus élevée, ce qui nous rapproche du contact. En nous transformant intérieurement, nous transformons également l'ensemble de la société et de la planète. Créer la paix et l'unité. Plus l'humanité sera unie, plus nous serons prêts à entrer en contact. Cela signifie qu'il faut guérir les divisions, embrasser la diversité et créer des systèmes mondiaux qui fonctionnent pour tous. Le premier contact aura de profondes répercussions sur notre économie, notre technologie, notre défense, notre politique, etc. Des changements judicieux et proactifs peuvent jeter les bases d'une paix et d'une unité durable. En se préparant correctement, l'humanité sera prête à accueillir ouvertement la Fédération Galactique, représentant le meilleur de notre espèce à ce tournant profond de l'histoire. Maintenant, engageons-nous activement dans ce processus de transformation avec la Fédération Galactique. Commencez par vous mettre à l'écoute de votre sagesse intérieure et explorez les énergies positives qui vous entourent. Entrez en contact avec d'autres personnes qui partagent ce voyage. Ensemble, nous pouvons amplifier l'élévation collective. Restez informé des orientations de la Fédération Galactique et contribuez au récit plus large de la croissance partagée. Votre participation est importante, alors faites un pas en avant, embrassez le voyage et faites partie de cette remarquable connexion cosmique. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes puisent dans ces énergies supérieures, des changements positifs se répandent parmi nous tous. Cet éveil partagé crée un lien plus fort, ouvrant de nouvelles possibilités de développement personnel et collectif. Avec l'aide de la Fédération Galactique, le chemin vers l'illumination se déploie, apportant des transformations significatives pour tous ceux qui sont impliqués. Nous vous aimons profondément. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.